Ah bah voilà, t'as enfin fini. Oh là, il y a des bouches, il y a des bouches, c'est mauvais signe. Hello à toutes et à tous, c'est Benji et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 du Let's Play Les Sims 4. Temps de 4, temps de 2, puisque maintenant les amis, à l'épisode précédent, nous avons adopté... nous avons adopté n'importe quoi. Nous avons pas adopté un coloc, nous avons pris un coloc. Voilà, alors si tu peux te présenter s'il te plaît. François, Gabriel, Alzheimer, moi je dis. Comment il s'appelle? Ah, Gabriel François, voilà, c'était jamais une chance sur deux de faire le bon nom. Et ben non, c'est Gabriel François. Bonjour à toi, Gabriel François, qui travaille en tant que nettoyeur de palettes, qui doit avoir certaines choses en compétences, blablabla. Alors, je viens tout juste de revoir ça, et c'est vrai, j'avais failli le faire à l'épisode précédent. Nous n'avons toujours pas de lit. Pour... Excusez-moi. Notre Sims, donc on va immédiatement... oui, non, c'est ici. Hop, voilà. Donc on va essayer de vendre ce lit-là pour... alors, placer dans l'inventaire, vendre, annuler, et il y a toutes les infos du lit. Ok, donc on va le vendre. Voilà. Oui, merci, je le sais. Voilà. Ah, d'accord, c'est ici qu'on trouve tous les... D'accord, monter, descendre le mur, ouais, blablabla. Oui, bon, ça, merci, je connais, d'accord, ok. Et si après on prend le mur, ça se passe comment? Non, je sais pas. D'accord, on peut prendre directement notre mur et... Comment ça se passe? C'est les menus de tuto, quoi. Je crois qu'il faut jouer en mode... Pièce prédéfinie, non? Comme ça? Oula, ça c'est pour la construction de mur. Écoutez, je croyais qu'on pouvait, à moins que si je mets tout. Ah voilà, faut cliquer une fois dessus. On clique une seule fois dessus, il faut apprendre. Hein. On choisit la hauteur des murs ici, et puis après on peut la déplacer absolument n'importe où. Donc là, hop, on déplace, voilà. On la met n'importe où dans la maison. On revoit carrément la constitution de la maison. Si on veut le mettre à droite, on le met à droite. Donc on va le laisser là pour l'instant parce que c'est très bien ici. Voilà. Alors, c'est dedans. On va... en fait, j'ai plutôt envie d'agrandir ma chambre. Un petit peu. Voilà, pas plus que ça. Ici, un tout petit peu. Deux, peut-être. Un, deux, voilà. Voilà, ça va. On garde encore un peu le style. Hop, voilà, dedans. Hop. Alors, je sais pas, voilà. Rien à modifier. D'accord, il m'a gardé toute ma peinture. Ok, c'est cool. Oula, j'ai plus de souris. Une petite dernière fenêtre. Juste ici, pardon. Voilà. Alors, dans les Sims 3, comment on mettait une fenêtre? Et ben, on mettait la fenêtre, on appuyait une seule fois dessus, puis après, on montait avec le curseur. Alors là, maintenant, cette option, c'est pour choisir intérieur ou extérieur de la fenêtre. Maintenant, si on veut passer donc directement une fenêtre, avec la souris, on choisit si je veux mettre la fenêtre tout en bas, je mets la fenêtre tout en bas. Là, je tiens juste ma souris comme si je baladais la souris, d'accord? Je clique nulle part et tout, et on met la fenêtre absolument partout. C'est un peu la folie. Donc on fait vraiment tout ce qu'on veut avec tous les différents modèles de fenêtres, tant bien sont-ils nombreux, hein. Voilà, c'est assez fou. Si je vais mettre une toute petite vitre et puis après me mettre, alors peut-être pas cette vitre là, mais une vitre, voilà, une vitre comme ça, hop, je peux me mettre mon petit truc en haut, et puis en dessous mon truc un petit peu plus important. Enfin bon, bref, on va diminuer les murs. Voilà.
Alors, les meubles. Alors, je découvre un petit peu, hein, parce que j'ai pas eu le temps d'exploiter ça. Donc, les lits. Alors, il y a les lits doubles, il y a les lits simples. Énergie 5. Écoutez, on va partir sur deux lits. Hein. Un lit comme ça. Et puis le même, mais en plus. Voilà, comme ça. Parfait. J'ai peut-être fait la pièce un peu trop grande. On va réduire ça. Je suis en train de me rendre compte là quand même. J'ai fait quelque chose de peut-être un petit peu trop grand. Voilà. Je me suis rendu compte là, j'ai fait. T'as fait peut-être un petit truc un petit peu trop grand, Medji. Oui, je sais. Voilà. Du coup, mon lit il a. Poup! Mais c'est pas grave. Voilà. Comme ça, tout le monde a le matelas qu'il lui faut. C'est parfait. Là, il peut passer. Je vais mettre ça un petit peu plus par là. Hop, c'est nickel. Toi, je te reprends une seule, s'il te plaît. Que je vais mettre ici. Oh, il n'y a pas de sens. Hop. Et toi, je vais un tout petit peu plus te rapprocher. Voilà. Comme ça, c'est une chambre très sympathique. Tout le monde a l'éclairage qu'il lui faut correctement. Si je me gourde molette, ça ne va pas aller. Voilà. Et puis, bah écoutez, tout le monde est plutôt très content pour l'occasion. Ouais, non, plus rien à rajouter. Non, c'est bon. Voilà, comme ça, tout le monde a son lit et c'est parfait. Donc, toi, Benji aura ce lit-là et François ou Gabriel, je ne sais pas trop, aura ce lit-là. Si l'ordinateur veut bien. Merci. C'est pas trop tôt. Ouais. Oula. Me dis pas que ça va déconner comme la dernière fois. Bon alors les amis, je règle le problème. À tout de suite. Re les amis. Alors apparemment c'est bon, c'est réglé. Bon, je sais pas trop ce qui se passe. Il y a certains moments comme ça ne veut plus fonctionner. Alors j'en ai profité donc pour faire travailler notre Sims sur créer un module d'extension sur l'ordinateur, donc pour accomplir donc sa deuxième tâche qui lui est nécessaire pour son travail. Quant à notre autre Sims, je vous attendais justement pour qu'on installe en mode achat un truc pour faire de la peinture. Ça s'appelle un chevalet. Merci beaucoup. Oui, bon, merci. J'ai déjà testé les outils. Je sais pas comment on fait pour l'arrêter ce machin, j'ai pas trouvé la fonctionnalité, mais c'est chiant! Hein? Si jamais t'avais encore des doutes sur ton efficacité, crois-moi, maintenant je peux te donner la réponse. Tu es terriblement chiant. Merci beaucoup. Donc, j'avais dit, donc pour notre Sims, c'est un chevalet. Alors. Tac. Oups. Tac. 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 Le truc il ressemble à un chevalet, donc je pense que ça va pas être trop compliqué de voir un petit peu qu'est-ce qui le compose. Alors, là, chevalet. Oh, ça va, c'est pas si grand que ça. On n'a pas d'étage dans notre maison. Non, une maison de merde. Oh là, ça c'est moche ça. On va modifier ça. Eh ben, il va faire du chevalet dans. Ici, voilà. Juste avant de monter dans la chambre. Alors, attendez, comment est-ce que sont que ce que. Oh là. Non, 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 non. Non, c'est pas ce que je cherchais, t'inquiète pas. C'est ça que je cherchais, toi. Hein? Oh, c'est génial! Comment c'est foutu? On voit carrément le quadrillage, c'est parfait! Fini les toits qui ne ressemblent à rien et qui sont affreux, et puis. Génial! Enfin des toits qui ressemblent à quelque chose! C'est pas trop tôt! Super bonne nouvelle! Bon, alors maintenant, il va falloir lui mettre la couleur qu'il faut. Je sais pas si ça a changé des deux côtés. Ouais, ça a changé des deux côtés. Parfait, maintenant c'est bon, on a un toit qui ressemble à quelque chose, c'est pas trop tôt. Allez, maintenant on va faire dodo. Parce qu'il soit. Non, non, toi tu vas voir tes compétences. Alors, toile classique, on va commencer par une petite toile avec notre ami.
D'accord, 50 € le support pour petite toile. Ok. Alors apparemment, ils peuvent faire les Sims 4 des toiles splendides, hein. Donc on va voir, on va mesurer ça. Ah bon, il a déjà acquis la compétence peinture, donc il est très simflouse. Pourquoi très simflouse? Juste. Alors, ce module bloquant les programmes malveillants, sécuriser la navigation sur le web pour tout le monde, Benji a gagné très simflouse pour ses efforts. Oh bah dis donc. Merci, je ne demande rien et je gagne de l'argent. Alors, que demande le peuple? On discute avec Gabriel donc. Alors, que va nous faire notre ami Gabriel cette fois-ci? Donc, on accélère un peu le temps parce que si en plus il discute, il va nous mettre 4 ans pour nous peindre sa petite toile. Ah, Benji est parti se coucher. Je sens que je vais très mal m'entendre avec mon ordinateur s'il me fait que des conneries comme ça aujourd'hui. Car à toi, la fenêtre est à côté de moi et elle est entrouverte. D'accord? Donc tu passes largement, hein? Je suis en train de me fighter avec l'ordi, là, je sais pas ce qu'il me fait encore comme connerie qui ressemble à rien. Notre ami François est en train de dessiner un lama! Un lama! Ça ressemble à rien, c'est moche, et c'est bien du niveau 1. Et pourquoi ta toile, elle est autant épaisse? Ok, on a le plus abruti de tous. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aux toilettes? Non mais, non mais... Je lui demande rien, le machin, il part aux toilettes, ok bon. Mais il a même pas besoin d'aller aux toilettes en plus! Il a fini, non? Ah ouais, il a fini! Alors, contempler, non. On va l'appeler Lama. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. C'est mon instinct qui me dit appelle-le Lama. Bon. Mettre dans l'inventaire, encadrer la toile, bien sûr, ça c'est logique. Vendre à un collectionneur, contempler. Attendez, j'ai juste me péter un délire sur le prix qu'on va en tirer. Qu'est-ce qu'il me fait là encore? 4 simflouzes! Ah non, 80! Oh bah bon, ça va. 80 simflouzes, j'aurais cru nettement pire. Allez, on va s'attaquer donc à une toile. Ah, je crois qu'on pouvait pas en refaire une autre. Moyenne. Et on a beaucoup d'argent parce qu'il a intégré notre foyer. Donc comme il a intégré notre foyer, bah il nous a ramené en même temps l'argent. Donc c'est dur que ce très profiteur pour l'occasion. Bah de toute façon il n'est pas fatigué, donc ça sert à rien d'aller le mettre dans le lit. Leçon sur le trait de caractère pitre. Ouais, ok. D'accord. Oula, là il est parti dans un délire. Il est parti dans un sacré délire. Waouh! Ah, c'est hyper beau! Alors, tu vas vite me l'encadrer. Tu vas vite l'appeler. Merde. Excusez-moi, c'est comme ça. Et tu vas vite le voir dans le collectionneur. Et surtout, je t'en supplie, tu vas aller te coucher. Alors, du coup, il a dû. Voilà, c'est ça. Contempler et admirer trois œuvres d'art différentes. D'accord. On va aller au musée. En plus, tu te lèves à 9 h du matin. Il est déjà 2 h. Ah, moi, je te dis, la nuit, elle va être belle, hein, franchement. Allô? Bon, l'ordi me fait des trucs chelous là. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fabrique, mais il est méga bizarre. Bon, alors attendez les amis, je vais régler le problème et on se retrouve tout de suite. Ah, les amis, on se retrouve. Bonne nuit très très courte hein, pour notre Sims. Mais qui a eu largement le temps de se revigorer à fond les muscles pour entamer une très très longue et très 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 complexe journée. Donc il y va, il est parti, il est chaud patato. Enfin, en plus, ils sont tous pas fatigués. Oula, ça y est, ça commence les conneries. Qu'est-ce que c'est que ça? Lait. Ah. Du lait périmé. Personnellement, je n'en suis pas fan. Ah, voilà! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors non, tu vas pas cook. Tu vas prendre une portion. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aux toilettes? Faire pipi comme un champion. Ah oui, quand même. Oh, you've Tama! Ah oui, non, mais là, on est quand même dans le degré...
Là, on peut pas tomber plus bas, là, quand même, quoi, ces concours de distance de pipi, là, quand même, hein. On arrive à ce niveau-là, hein. En dessous, c'est la primaire, quoi, même pas. C'est la maternelle. Alors, va prendre une portion, s'il te plaît. Et va manger avec ton coloc. Qu'est-ce qu'il fait, le coloc? Mais pourquoi il se lève? Mais il est con! Il est con ce coloc. Mais what? C'est quoi ce concours de manger debout? C'est pas mieux comme ça de manger l'un devant l'autre, je sais pas. De Gabriel en organisant une fantastique fête. Oh! C'est l'anniversaire de Gabriel. Eh ben allons-y les amis. Faire un canular téléphonique. J'étais obligé, hein. Ah, à Louis Fontaine, il l'aime pas. Et après, on organisera une fête. Vous ne mourrez pas, je sais que je parle à Gabriel François la prochaine fois, essayer de piéger quelqu'un de plus crédule. Bon, comment on fait là pour les anniversaires? Proposer un rencard, inviter, annuler le service, organiser un événement social, ça doit être ça. Je ne sais pas du tout. Tu vas organiser ton anniversaire. Vorba, Pimitabe. Paguna de Roy. Oblige de Boer. Ah, voilà, c'est ça. Donc, fête d'anniversaire. Les fêtes d'anniversaire, ça n'arrive qu'une fois par an, alors il ne faut pas les manquer. Apporter un gâteau, un cadeau et un sourire. Joyeux anniversaire. Les réponses de niveau or incluent un nouvel objectif de la catégorie chambre. Oui, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il y a. Organiser un événement social de prestige. D'accord, on va être noté à faire notre événement. Ok. Alors, inviter des sims. Cliquez sur un sim. Sim célèbre. Sim célébré. Ah, là, oui. Inviter. Eh bah. Moi. Voilà, puis peut-être lui, mais pas lui. Traiteur! Genre, on sélectionne un traiteur et tout, quoi. Eh ben écoutez, on va prendre Claire Bird. C'est mon foyer perso. Pourquoi pas? Allez, on va l'inviter à la maison. Mixologue. Non, mais peut-être pas, quoi. Cliquez pour inviter un sim. Un artiste! Recruter pour le rôle. Ok. Alors, la résidence. D'accord, on peut le faire chez tout le monde. Musée, parc, parc. Non, non. Génial. C'était la bienvenue dans le quartier. Alors, un événement a commencé. Lors d'un événement, vous aurez des objectifs à remplir. Déplacez le curseur sur un objectif. À mesure que vous remplissez les objectifs d'événement, vous améliorez votre score et avec lui vos récompenses potentielles. Vous remplissez un objectif. Ils sont déjà tous là? Ah mais genre quoi, ils sont sur le taquet quoi. Alors, objectif, préparer un repas pour un groupe. Objectif principal, souffler des bougies. Bon, ça, on le sait. Préparer un repas pour un groupe. Donc. C'est qui toi? Ah, c'est le traiteur! Ah oui, quand même, t'as prévu de... Attendez, on va lui demander de partir, parce que... Qu'est-ce que tu fais là à l'ordinateur encore? Jouer à Blick Block. Attends, on fête ton anniversaire et toi tu vas jouer à l'ordinateur! Mais oh mon gars, un peu plus de sérieux! Daisy, Noby,
Excuse-moi, mais non, voilà. Tu te casses, je te paye, tu fais ce que tu veux, mais désolé, voilà. Alors, donc préparer un repas, faire en sorte, donc on va cuisiner, les amis, un gâteau au chocolat. Voilà. Je vais demander à Benji de tout nettoyer. Parce qu'apparemment, ils ne sont pas tous en train de faire la fête. Et ils sont sur le lit! Bon, ok, vous mangez sur le lit, hein, mais vous mettez pas des miettes par terre, hein. Je vais pas vraiment être d'accord. Ah non, casse pas de la vaisselle, hein. Le met au four, c'est cool. Non, on va pas boire le verre de lait complètement périmé. Non, non. On va plutôt éviter. J'ai pas envie d'être intoxiqué, pardon, ou je sais pas trop quoi. Oh, on est chronométré! Ah. Mon dieu, il y a tellement de trucs à faire. Voilà. Manger un gâteau. T'es qui, toi? Oh, il y a un traiteur maintenant. Bon. Alors, appeler à table, prendre un morceau, ajouter une décoration de mariage, date d'anniversaire, donc. Voilà. Il est 10h, mais on va souffler le gâteau d'anniversaire, faut pas chercher la logique, les amis. Ouais. Faire un vœu. Faire venir un signe. Non mais c'est bon. Célébrer. Souffle de bougie. Ouais. Ah oui, quand même. Eh les amis, c'est notre première fête d'anniversaire. Faut la fêter. Ouais. Oh, c'est devenu un petit vieux. Gabriel a vieilli. Le vieil âge au programme. Ventre plissé, cheveux blancs et longue sieste. Profitez de la vie comme si la faucheuse ne vous attendait pas de pied ferme. Mon dieu. Vieillesse et sagesse. Oh mon dieu, la fête d'anniversaire, les amis. Ah bah oui, là pour faire des objectifs, là on en fait. Hein. Oh là là. Ah, il a mal à la hanche. Tu m'étonnes. Oh, il y a de la bouffe partout. C'est le bordel, les amis. C'est le bordel. Et tout le monde qui bouffe de partout, là. Il est en train de nous faire 400 trucs de nourriture. Je crois qu'on va tous finir la journée obèse. À force de tellement tout manger. Mon dieu. Bon bah on peut dire que c'est une sacrée fête d'anniversaire. Mon dieu, les amis, on va acheter une chenifi. Comme ça, tout le monde va pouvoir se déhancher sur le dance floor. Oui, merci, je connais toutes ces fonctionnalités, merci beaucoup. Voilà. Ça prend toujours un petit peu de temps, mais au bout d'un certain moment, voilà, il se lasse. Hein, une fois qu'on y a tout dit oui, hein, voilà. Merci, je sais que c'est un escalier. Voilà, merci. Alors, donc, le gâteau d'anniversaire... non, pas le gâteau, pardon, la chenifi. Ici. Allez, on se paye le luxe. Hein. On peut se permettre, on a de l'argent. Alors, on va écouter de l'électro. Alors, faire en sorte que les sims dansent en même temps. Alors, tu vas danser. Même si t'es un petit vieux, tu vas venir danser aussi. Et que même si tu dois aller aux toilettes tous les 5 minutes, tu vas venir danser. Invité Don à danser. Mon gars, viens danser. Oh.
Zarb's canoe. Va danser. Non mais genre quoi, on t'invite à une fête et tu fais du sport quoi. Non mais c'est plus que psychopathe là. Bob. Elodie. Allez quoi. Bougez votre cul. Allez. Même toi dehors là, je te connais pas. Viens. Wouh. C'est la fête. Allez, on fait la fête. Allez, une petite photo. Pour le plaisir. Non, c'est pas la musique du siècle, mais les gens s'amusent. Ah, mais il est là-bas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Gabriel! Hey, c'est ton anniversaire et tu passes ta journée aux toilettes. Non, s'il te plaît, tu sors et tu viens danser, Gabriel. Oh, c'est son anniversaire et puis il est enfermé dans les toilettes, c'est n'importe quoi. Bouge-toi sur le dance floor, Gabriel. Bon, c'est plutôt l'électronique, hein. Allez, faut s'amuser, faut s'amuser. Ok, alors elle, elle était assise à son ordinateur, elle se lève, elle danse et elle se rassoit. Mais elle est plus que geek, là, c'est... Je savais même pas que ça existait. Hep, hep, hep. Donc, Don, tu restes là. On se déhanche. Allez. On sent qu'un adulte porte un toast. On s'appuie. Discuter. Plus de choix. Amical. Là, comment on fait pour lui demander de porter un toast? A Mookie. Discuter de la théorie des couleurs, le truc le plus chiant du monde. On la sait genre amicalement quoi. Ah voilà. Fête d'anniversaire terminée. Oh non. Oh non! Joyeux anniversaire, profitez de ces ballons pour créer une ambiance de fête. Ils se trouvent dans votre avatar du foyer. Au revoir tout le monde! Merci! Merci à tout le monde d'être venu! Merci beaucoup! Ah la queue le tout 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 tout. Oh, c'est déjà fini. Ça passe vite, hein. Alors, vous. Prenez une photo ensemble, on va faire un selfie pour le plaisir. Et après, demandez de partir. Allez, selfie. Voilà, allez, maintenant tu te casses, voilà, c'est bon. Voilà, allez, pour tes services, voilà. Bisous, bisous. Par contre, on va appeler un service, là. Je pense qu'on en a besoin pour faire le ménage, là. Service de domestique déjà planifié. Ah bon? Bon, bah, ils vont arriver, alors. Oh là là, quelle journée, les amis, c'était quelle journée. Heureusement que personne travaillait aujourd'hui, j'avais même pas prêté attention. Oh, mon Dieu. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que personne n'a faim.
Ah, ils sont tous là. Bon, alors, apparemment on a quelque chose dans notre inventaire. Alors ça c'est lui, moi c'est l'autre qui m'intéresse. Non, alors ça doit être l'inventaire de la famille. Ah. Déco de ballon. Ouais, on a une déco de ballon. Ouais. Et on a un lit. Ok. On pourrait faire un lit double. Non, on va le garder, hein, ça peut toujours servir. C'est cool, c'est cool. On a notre petite déco. C'est bien. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut complanter, contempler avec ça? Fin de la virtualisation de la musique. Alors, comment ils sont au niveau de leur travail? Bon, en tout cas, super fête d'anniversaire, donc maintenant c'est un petit vieux. Alors, comment ça se passe du côté de la sociologie? Il est là, ouais. Statistique. Oh! Je savais pas! Séance de crac-crac, zéro. De ta vie? Mon dieu, mon pauvre gars. Oui, il est heureux. Ouais, il est souvent heureux. Hein. Et lui, il fête bientôt son anniversaire. Ah bah oui. Il n'a pas changé d'âge pour le faire vieillir, effectuer les interactions, souffler les bougies, faire un feu ou goûter. Benji aussi va vieillir et va devenir adulte. Mais je ne suis pas encore prêt, les amis. Je ne suis pas encore prêt. Hein. On sort quand même de faire la fête. Hein. C'est bon, c'est fini. Hein. Bien, alors, même si t'es devenu un petit peu personnagé et tout, ce n'est pas une raison, tu vas faire du sport. Conservation maximale, mon gars. Allez, go! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, go, 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 go! Musique électro. En même temps. Voilà. Puis lui, il boit un verre de lait à 17h. Oh, quoique... Bon, c'est le bordel, mais demain matin, on va venir faire le ménage, donc bon. Voilà. Ça fait du bien de faire du sport, même... Les amis, vous vous imaginez, vous fêtez votre anniversaire, et 4-5 heures après, ou même pas 3-4 heures que tout le monde est parti de chez vous, on fait du sport au salon. Eh ben écoutez, faut pas perdre de temps, on a des objectifs à faire, il faut les résoudre, hein, donc tant pis, hein. Si c'était une journée monumentale aujourd'hui, on va résoudre cette saleté d'objectif. Ah là là. C'est la fête, les amis. Même s'il n'y a plus personne, c'est très marrant parce que la fête elle a commencé à 10h, elle a fini à 15h, donc aujourd'hui elle a duré 5h. Et tout s'est passé ultra vite. Eu le temps de pas du tout de profiter de cette journée, c'est un petit peu dommage. Alors, peut-être que si on aurait mis plus de musique, on a passé beaucoup de temps à danser. Hein. Faut dire quand même qu'on a passé beaucoup de temps à danser et malheureusement, la danse prend du temps. Hein, ça, c'est, on n'y peut rien. Bon, écoute, tu vas l'épicer, mon gars, parce que. Hein. Hop, oh, pose tout. Le gars il va venir faire le ménage demain matin. Franchement. Il va faire le ménage demain matin. Il va tout nettoyer. Il va en avoir pour 4 heures. Ah, j'étais en train de me dire, mais il y a un petit problème. Il ne peut pas aller aux toilettes. Mais si. Voilà, il a pété les toilettes. Super. Il a pété les toilettes, donc maintenant c'est parti, on patoche dans la flotte, voilà, bravo Benji, hein. Je sais pas comment il se débrouille, mais il a pété les toilettes. D'accord, et puis il y a des trucs à côté. On va chercher des pièces, hein, parce qu'on est quelqu'un de très dégueulasse. On va essayer de trouver quelque chose. Allez hop, petite photo pour Twitter, hein. Voilà, tu as jeté ça, et après tu vas aller te prendre une douche médiatique, tiens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 fais. Il est beaucoup trop mal à l'aise pour faire cela. Ah, bah va te laver. Lui, il va regarder la télé donc. Je vais faire un zapping, tiens. Au final, ils ont tout nettoyé quoi. Lui, il a tout nettoyé. Oh, mon dieu.
La musique, elle me met le seum. Ah, merci. Je sais pas si vous avez un son en 3D, les amis, moi oui. Oreille gauche, oreille droite. C'est la fête aujourd'hui, faut pas chercher la logique. Mais c'est la fête! Bon, t'as toujours pas fini de te doucher, bah dis donc. Pas vrai, hein. Tu vas nous puiser l'eau de la planète ou quoi? Par contre, ce soir, on mange léger, hein! Parce que ça suffit, il y a des grosses journées comme ça où on bouffe comme des gros cochons, hein! C'est n'importe quoi, hein! Au point de faire du sport pour mieux se sortir dans sa peau, c'est n'importe quoi, hein! Ça fait trop drôle de le voir vieux! On a un coloc qui est vieux! En plus, sur la photo, il faisait pas vieux! Il faisait pas jeune non plus, mais il faisait un âge normal, quoi! Voilà! Lui, il prend sa douche maintenant, c'est chacun son tour! Non, mais c'est vrai, c'est. Hein? What? Attends, tu vas faire quoi? T'es fou, mon gars, tu vas les réparer. Marcher dedans, ton gros dégueulasse. Bah, allez, c'est bon. On est le soir, là, on fait autre chose le soir. Hein. Ah, ça fait du bien, un peu de silence. Oh, la douche à la pété! Non mais attends! On va jamais y arriver. Alors, donc, cuisiner... non, je vais faire le dîner. Servir le dîner... Salade du jardin. C'est très frais. Quoi? Putain, mais il a pété le frigo! J'en ai marre. Mais il y a de l'eau partout dans cette maison. Mon dieu, j'ai pété un câble quoi. Non, mais il y a de l'eau partout dans cette maison. Maintenant, c'est le frigo qui a déglingué. Non mais attends, c'est pas possible là. Allez hop, il a peine fini, ça y est, je m'occupe du frigo. Bonjour, c'est moi. On fera le nettoyage demain matin. On va même pas faire le nettoyage tout court parce que... Mon dieu, quoi. Jamais y arriver, ils sont tous claqués. Il est 1h du matin, ils ont tout pété dans la baraque. Bon. Voilà, allez, vas-y, tu fais pipi jusqu'au bout. J'avais dit qu'on éteignait la musique pour ce soir. Voilà. Allez, tout le monde marche dans des trucs dégueulasses dans la maison, c'est pas grave. Non, non, allez, nettoie pas. Demain matin, il y en a un qui va venir nettoyer à 10h, tu vas voir, tu seras encore couché, qui sera déjà en train de faire le ménage dans la maison. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez de la journée d'aujourd'hui, mais... Mon dieu, quelle complexité, mon dieu, l'autre qui a fait son anniversaire qui ressemble absolument à rien et tout, c'est pas facile de gérer tout ça quand même. Bon alors, je ne sais pas s'il va venir dimanche. Il y a plutôt intérêt parce que la maison, elle est plus que dans un sale état. Donc, s'il ne vient pas, le roi devient un adulte. Et enfin, on va y fêter. Oh, ça y est! Oh, l'âge adulte. Au programme, rêve à réaliser, retraite à préparer, crise de la quarantaine. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Oh non les amis, c'est trop vite arrivé. On s'en est même pas rendu compte. Vous vous rendez compte, il va falloir qu'on adopte un enfant. Parce qu'on n'a pas encore trouvé de femme. Mon dieu. Oh, puis la maison. Elle est dans un de ses états. Non mais à deux dans cette maison, c'est pas possible quoi. Il nous faut un... quelqu'un qui vient faire le ménage, mais 24 heures sur 24. Au moins, nous sommes sûrs que nous aurons la maison dans un certain état. Mon dieu, il dort encore lui ou pas? Ouais bah écoute, tu vas aller refaire un coup de dodo toi, parce que... Hein... La journée promet d'être assez dure comme ça, alors si on s'arrête à faire autre chose à chaque fois, on va jamais y arriver, hein. Mais ça va faire la complexité de tout. Voilà, on n'a pas beaucoup dormi, hein, mais on a dormi juste ce qu'il fallait. Ce matin, on mange céréales. Hein.
Ce matin, on mange céréales, faut manger très léger. Hein. La salade d'hier soir nous est tous restée sur l'estomac, alors... on mange léger! On nettoie si tu veux, mais si c'est pour péter quelque chose... Qu'est-ce que c'est que ça? Jouer dedans. Oh, le dégueulasse, quoi. Oh non! Tiens, va faire du sport. Oh, bah qu'arrive-t-il à notre Sims? Il est triste, pourquoi? Anniversaire oublié. Oh non, Benji a oublié d'organiser une fête pour son anniversaire. À moins que personne n'ait voulu venir. Dans les deux cas, c'est très triste. Oh non, oh je suis désolé. Oh, je suis désolé pour lui, excuse-moi, je t'ai oublié. Oh mince alors, le pauvre, il fait une sacrée tête en plus. Oh Dieu, regardez-moi cette tête. On se fout carrément de sa gueule. Oh mon Dieu, le pauvre. Oh mon Dieu, le pauvre. Non, il faut pas se moquer de lui, c'est méchant. Ah bah c'est bon, voilà, il est heureux maintenant. J'ai dit quoi? Pas de musique, ça suffit. Ça prend la tête, là. Ah, cool. Bon, y a personne qui vient faire le ménage, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, encore? Encore triste? Mais t'es pas chiant, hein? Pendant 8 heures! Bon, y'a personne qui vient faire le ménage là. Bon, écoutez, on va faire un truc, les amis. On va annuler le service de domestique parce qu'il nous pompe de l'argent. D'accord, ok, j'ai dû rien faire parce que. Donne un coup de pied. On va tout jeter partout. Et ben voilà, il est heureux. C'est bien. Oh, ho, ho, ho. Tout est propre dans cette maison. Bon. Et ben tu peux regarder une chaîne de sport. Tiens, voilà. Bon, ça va, c'est bon. Notre sim se va mieux. Heureusement. Heureusement que notre Sims va mieux. Alors, nous avons réussi à tout répondre ici. De toute façon, on est dimanche, il ne fait rien. Et quant à lui, il est là. Mais il va aller... Est-ce qu'il va prendre sa retraite, les amis? Je vous laisse voter dans les commentaires, les amis, si vous voulez que notre Gabriel François prenne, oui ou non, sa retraite. Donc, dites-le-moi dans les commentaires, hein, si vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, c'est bon, ça y est. Benji, il a repris du poil de la bête et il est très fier. Si vous voulez ou pas qu'il prenne sa retraite, hein, parce que bon, voilà... Ça nous ferait donc, du coup, bah, un Sims en permanence à la maison avec qui s'occuper, ce qui peut être, du coup, pas trop mal. Mais ce serait plutôt cool, quand même, dans une vue d'ensemble, qu'ils prennent sa retraite. Comme ça, on verrait les toutes nouvelles actions avec la retraite. Allez, va ranger un livre, hein, dépêche-toi. Très dommage qu'il n'y ait pas les cannes, mais bon, c'est quelque chose qui ne saurait tarder plus tard. Ah, oui, tu as discuté avec Benji. Mais Benji, apparemment, elle a l'air très occupée devant son ordinateur. En effet, monsieur joue à... Vive les Sims. Monsieur joue à les Sims 1. Les Sims 2, pardon. Monsieur joue à les Sims 2. Bon. La reconstitution est vraiment flagrante. Hein. Oh, quoique, c'est peut-être les Sims 1. Non, c'est les Sims 2. La barre de gauche, c'est... Ouais, c'est les Sims 2. C'est les Sims 2. Enfin, il a à peu près de son écran, quand même. Hein. Ok, yo, ok. Now we shall do. What Walker, rolling, batting, loop. Pourquoi c'est du... Ah oui, c'est du Simlish, la langue. Ok. Bien fait, c'est bien fait. J'ai cru qu'on pouvait monter sur la table. Je me suis pété un délire, là. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il me fait? Bois. Il boit quoi? Jus d'orange. Ok. Ça te fait plaisir. Ah, mais je t'ai rien dit. Hein. Tu vois si ça te fait du bien. Voilà, ça te fait du bien. Bah oui, ça te fait du bien, la preuve. Ça te fait beaucoup de bien, même.
Allez, donc tu vas me continuer de faire. Alors, quelle est l'autre compétence que nous avons pour le travail? C'est contempler ou admirer trois œuvres d'art différentes. Donc, il va continuer de faire ses toiles d'art. Donc, la prochaine est à Sansiflow, c'est une grande toile. Alors, chers amis. Il est triste. Mais what? Ah, qui c'est qui t'appelle? Surfer sur le web, j'ai cru qu'on t'appelait. Appel SOS Tristesse. Appelez SOS Tristesse. SOS Tristesse, j'ai jamais vu ça, c'est génial. Appelez SOS Tristesse. Ah bah voilà. C'est pas mieux comme ça. Les amis, si jamais dans la vraie vie vous avez un problème, mais n'hésitez pas quoi, appelez tout de suite SOS Tristesse, l'assurance ou plutôt l'organisation qui vous fera retrouver le sourire. Non mais sérieusement, c'est quoi le poste publicitaire qu'on peut y faire? Oh mon dieu. Bon, alors vas-y, je t'en prie, parcours les œuvres d'art sur internet, ça te fait plaisir. Pendant que nous avons juste à côté de nous un véritable artiste qui fait un lapin. Mais au moins ça ressemble à un lapin, c'est vrai, parce que depuis le début, il a toujours fait des trucs qui ressemblaient à rien. Mis à part un lama. Oui, à un lama à un certain moment, mais là c'est bien. Il fait un lapin qui ressemble à un lapin, c'est très bon. Chut ! Les amis, arrêtez de le critiquer ! C'est déjà pas trop mal, hein, donc on va y encadrer. On va l'appeler Lapinou, hein. Oups, on écrit dessus peut-être. Lapinou. Ou, hein, voilà, avec deux U, pour faire plaisir. Et tu vas la contempler, alors je sais pas comment ça se fait. Voilà, c'est ça, et maintenant tu vas la vendre. On ne garde rien chez nous, c'est, voilà. On ne garde rien, parce que sinon après on entasse, c'est le gros bordel et tout. Donc là il est inspiré, donc il va améliorer sa compétence artistique. Alors ça c'est génial. Voilà, hop, niveau 3, puis là à mon avis, regardez les amis comment il va plus vite. Il va plus vite dans sa compétence parce qu'il est inspiré. Donc du coup, il va avancer au niveau de sa toile. Bon, il vient de refaire la même. Contempler. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est où? What? Ah, je suis gouré, je l'ai mis dehors. Non, non, de peau. Vendre. Et tu vas m'en refaire une dernière. Toile pop art. Oh, il veut nous faire une toile, les amis, pop art. Attention! Inspiration maximum! Il va nous faire les amis un truc. Attention, préparez-vous les amis. Il va nous faire le truc du siècle. Il est en train de nous faire une toile pop art. Alors il y va assez vite parce qu'on est en mode accéléré. Attention les amis, il y a du niveau! Il y a du niveau! C'est la folie! La folie! Oh! Celle-là, on va pas la vendre, les amis, hein. Je sais pas ce que... Eh, peut-être, regarde ta toile. Je sais pas ce que vous allez en faire, mais moi, je vais la garder. Oui, oui, bon. Contemple ta toile. Voilà, merci. Alors, moi, je vais la garder. Je vais la mettre... encadrer et... mettre dans l'inventaire. What? Ah. Oui, on a compris, contempler. On va la mettre dans la chambre, les amis. On va la mettre là. Oh, magnifique, quoi. What? Allez, vas-y où? Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais allez, vas-y où la machine? Mais pourquoi? Ok. D'accord. D'accord, donc ça disparaît, bon. Bon, c'est pas grave. Alors, il est assez
tard, chers amis. Donc, tu vas m'arrêter toutes tes activités. Et toi, tu vas m'arrêter toutes tes activités. Papa, etc. Et tout le monde va aller se coucher. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Il y a 400 millions de trucs à faire en même temps. Allez, hop, tout le monde au lit, hein, ça suffit le bordel. Il est déjà minuit, hein, ça passe vite. Allez, bonne nuit. Pas passer non plus encore une fois toute la nuit à faire la fête, quand même. Bon. Mince, alors. Et l'électricité, alors? Oh mince, hein. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est mal à l'aise? Tu as faim? Oui monsieur, que puis-je faire pour vous? Ah, bon bah tu as qu'à aller te prendre une hygiène. Une hygiène, une douche. Prends-toi une hygiène. Allez, je t'en prie, va te prendre une hygiène, ça va te faire du bien, tu vas voir, tu vas t'en remettre un truc de fou. Ah, j'arrête de parler parce que j'ai plus de voix. C'est pas compliqué. Bon, il est quelle heure? Oh, il est déjà cette heure-là, je m'en suis même pas rendu compte. Eh ben, les amis, on va se quitter. J'avais dit aujourd'hui un tout petit épisode de 30 minutes. Non, ça fait sûrement plus de 30 minutes. C'est dire que tellement que le jeu il est passionnant, les amis, on s'y prend carrément, quoi. Je ne peux pas arrêter de jouer, j'adore tellement. Bon, faut vraiment qu'il améliore son niveau, lui. C'est vraiment très catastrophe. Enfin, il va pas aller loin, le machin. Hein. Allez donc les amis, en tout cas merci d'avoir regardé, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi que de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les autres aventures de ma chaîne. Alors je ne fais pas que du Sims 4, je fais du Sims 3 et actuellement du Minecraft et du Sims 3 par la même occasion. En parlant de Sims 3 les amis, il y aura donc samedi là. D'accord, donc non pas un épisode des Sims 4, d'accord, parce qu'on va reprendre un petit peu ce rythme normal. J'ai dit pas de musique. On va reprendre un petit peu ce rythme normal de vidéo, notamment les Let's Play normal, à savoir donc les Sims 3 avec le petit nouveau, donc les Sims 4. Donc aujourd'hui c'est les Sims 4 et samedi ce sera un épisode des Sims 3 en route vers le futur avec tous les add-ons bien évidemment, mais nous jouerons essentiellement en route vers le futur. Et je me souviens, j'ai déjà dit non il y a 30 secondes, mais c'est pas possible ça, non mais des docs, hé hey, oh. C'est moi qui décide, ok. Toi t'es le petit machin qui t'es, bon. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi que de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, j'adore faire vite ça comme ça. Et on se retrouve donc les amis très rapidement, donc c'est-à-dire samedi, pour un épisode des Sims 3 en route vers le futur. Et casse la vaisselle, c'est la folie, allez, ciao, bye bye. Mais tu es chez moi là pour l'instant, voilà, tu es chez moi, donc tu... Tu déguerpis ailleurs, voilà, au revoir, adios. Voilà, tu dis bonjour. J'ai cru qu'il avait dit bonjour à la boîte aux lettres. Tu as fini? Eh ben c'est très bien. Au revoir. Voilà, merci beaucoup, au revoir. À demain, au revoir, voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye. Allez, bon.